8e, c'est bien. Magnifique. 8e, c'est bien. Valérie. Et aujourd'hui, vous partez combien? Là. Ouais. On part là dans 20 minutes. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur la deuxième étape du Trek Elle Marche. Et vous voyez, après 14 heures de marche hier pour les filles, il y a toujours de la bonne humeur ici. Oh la vache! Alors, il y a la confiance. Alors comment on a dit? Bonjour. Bonjour. On va faire un temps de deuxième. Deuxième étape aujourd'hui, on va faire un peu de montagne, on va essayer de trouver les bornes du premier coup. Ça c'est pas gagné. Sympa. Et de rentrer avant la nuit, c'est le gros challenge. Voilà. Un gros bisous à tout le monde et merci pour l'orgasme, c'est vraiment super. Et c'est quoi ce foulard rose là? Ah. Lequel? Ah, celui-ci. C'est parce qu'on a gagné. Contre toute attente, on est première. Ouais. Contre première toute étape. Attente. De la première étape. De la première étape. Contre toute attente, pas vraiment, parce qu'on en a chié. Ouais. On a été tout droit, on a gardé le cap. Elles m'ont tiré un peu, on a pleuré, on a rigolé et puis on a pris du temps. On a pris beaucoup de temps. Départ imminent, attention pour la 7e ligne, décompte ensemble, 5, 4, 3, 2, 1, bonne journée. Yeah. Là pour vous faire découvrir les coulisses de ce Trek Elle Marche, eh bien on va faire connaissance avec les membres de l'organisation, à commencer par le chef. Alors chef, bonjour Thierry, bonjour. Oui, bonjour. Alors donc quel est ton rôle? Directeur de course? Tout à fait, directeur de course. Donc je suis là pour la sécurité, je suis là pour encadrer toutes ces dames. On enfonce le clou, on enfonce le clou sur ce que je vous ai dit ce matin sous la toile de tente. Donc ce matin on part en direction de l'ouest, le soleil se lève à l'est, on part en direction de l'ouest. Vous allez enquiller dans ce Talweg, ce V taillé par les eaux de ruissellement. Tous les jours, il y a un petit briefing. Tous les matins, il y a un petit briefing. La finalité de la chose, c'est effectivement rappeler les consignes de sécurité. Ensuite, c'est de rappeler, de s'imprégner du terrain, comme je le dis. Il est important, effectivement, de regarder sa carte. Il est aussi important de s'imprégner du terrain en le regardant, en levant les yeux et en voyant dans la zone dans laquelle on va évoluer. Avec des petites astuces aussi pour ne pas perdre son cap, pour bien se diriger. Complètement, c'est très important. Il faut savoir se diriger, il faut prendre en compte beaucoup de paramètres. Le soleil ce matin, c'est une chose qui était assez vitale. Donc, elle part ce matin avec le soleil dans le dos. Et voilà, il ne faut pas négliger toutes ces petites choses qui nous apportent un plus dans la navigation. Bonne journée les filles. Merci. À ce soir, au bivouac. Les meilleurs, eh ben c'est nous, les ailes du désert, on ira jusqu'au bout. C'est qui les meilleurs, eh ben c'est nous. Ton histoire m'a vraiment beaucoup touchée et j'aimerais en faire partager les femmes qui nous regardent, voilà, cette histoire qui est forte pour toi. Eh bien en fait, donc j'avais prévu il y a un peu plus d'un an de participer au Trek Elle Marche, seulement en cours de route. On m'a donc annoncé un cancer du poumon au mois de juin. Et puis j'ai dû donc subir l'ablation du poumon, les chimiothérapies que j'ai eu finies ici en octobre. Mais je ne voulais pas ne pas le faire. Je me suis dit, c'est le mental, je vais gagner contre la maladie. Et je vais le faire quoi qu'il arrive, même si j'en crève. Alors j'ai eu des super coéquipières qui ont quand même été d'accord que je le fasse. De ne pas le faire pour la gagne, mais de le faire pour y arriver et pour montrer qu'on est capable. Quoi? Là!
Bravo les filles. Number one de la journée de cette deuxième étape, les Sky Trekkers, c'est ça hein. Alors, émotion, réaction à chaud? Bah magnifique, ouais. On a passé une journée de folie, ouais. On n'a pas souffert de la chaleur, on a trouvé tout, on a eu de la chance. Puis... Au cap. Au cap, on a tout trouvé, on est super contentes. Eh bien, c'est sur ce joli mot que nous allons nous quitter aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dès demain pour la troisième étape. Salut! Salut! Salut tout le monde, on vous aime! Allez! Allez, on court!